Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Que faire quand on a atteint l'âge de 70 ans? C'est la question de SteakGérard3831 qui me demande « Que conseilleriez-vous à un monsieur de 70 ans, célibataire, vivant de sa retraite avec des problèmes de santé ?» Ce serait bien une vidéo là-dessus. Eh bien, je vais te donner quelques conseils. Alors, les problèmes de santé, je crois qu'il les avait décrits dans un autre commentaire. Je crois qu'il a le cancer ou il a eu le cancer. Bref, il a 70 ans. Il a déjà bien entamé le dernier chapitre de sa vie. Il est dans le dernier sprint de sa vie. Que faire quand on est dans la dernière ligne droite? Eh bien, je vais te dire ce que je ferai à ta place. Voilà. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Et je suis dans un nouvel endroit. Alors, je suis à Labuan Bajo, c'est une autre île en Indonésie. Je vous rappelle que l'Indonésie a 18 000 îles, donc je suis parti de Bali quelques jours. Voilà, zoom un petit peu. C'est pas très loin de Komodo Island pour voir Komodo. Mais tout le monde me dit de pas aller les voir parce que apparemment ils sont shootés en fait pour qu'ils bougent pas, pour qu'ils soient pas dangereux comme ça. Donc les gens sont assez déçus. Ouais. Mais Labuan Bajo c'est super sympa. Hein. Il y a des cafés, du wifi pour les nomades digitaux. C'est un endroit vraiment magnifique. Des restaurants extra, des pizzas. Allez voir sur mon Instagram des pizzas extraordinaires. De nouveaux restaurants italiens qui se sont installés. Labuan Bajo, c'est très facile. Une heure d'avion de Bali. Je suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de la dernière ligne droite. Steak Gérard. Il envoie beaucoup de commentaires, hein, Steak Gérard. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller? Premièrement, vu que il reste plus beaucoup de temps, mais bon, dans la vie, on sait jamais combien il reste de temps. Hein, je veux dire, moi, je crois que ma grand-mère a eu un cancer du sein à plus de 80 ans et elle a fini à plus de 100 ans. Je veux dire, ça s'est parfaitement guéri, etc. Donc tout peut arriver, tu peux vivre encore des décennies. Mais bon, voilà, tu as quand même atteint un certain âge, tu connais l'espérance de vie, donc il reste que quelques années. Ouais, la vie est limitée. Hein. Alors, donc fais-toi plaisir au maximum. Ça ne sert plus à rien, tous les conseils que je donne sur les business en ligne, le freelancing, etc. Bon, c'est pas pour toi, clairement. Ça ne sert plus à rien, fais-toi plaisir. Alors en plus, tu as une retraite, donc ça veut dire que tu as de l'argent. Donc là, apparemment, je ne sais pas où tu es, je vais partir du principe que tu es en France. Donc la première chose, premier conseil que je vais te donner, c'est de quitter la France. Que vous soyez vraiment très jeune, c'est-à-dire juste après vos études, ou vraiment atteint en fin de vie, il y a toujours une bonne raison de partir. Donc quitter la France. Ah. Quitter la France. Donc venir en Asie du Sud-Est pour te faire plaisir. En plus, tu vois, t'es célibataire. Donc le fait que tu mentionnes que tu sois célibataire, c'est que bon, t'as dû avoir une vie où les femmes t'en ont fait baver. Ok, les féministes, les françaises, etc. Moi, je te conseille, voilà, pour les dernières années, de te faire un peu plaisir. Heureusement et malheureusement. Heureusement, t'es blanc et t'as de l'argent. Surtout que t'as une retraite, donc ça tombe tous les mois. Donc tu vas pouvoir trouver une femme blanc plus argent égale femme, égale jolie femme, tendre et affectueuse en Asie du Sud-Est. Donc, fais ta valise, viens tout de suite, hein, ne perds pas de temps, hein, fais pas un plan, je viendrai dans un an ou dans deux ans, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Très important, quand tu vas rencontrer une femme en Asie, ne pas lui dire en fait ton patrimoine, ne pas lui dire tout ce que tu possèdes, parce que si jamais tu te maries avec elle, elle va vouloir, elle pourra avoir des tentatives. Faut avoir des tentations morbides. Par contre, dis-lui que tu as une retraite et que la retraite ne tombe que tant que tu es en vie. Donc elle va avoir tout un intérêt à te maintenir en vie. Et peut-être que tu vas même, ça va même être une cure de jouvence. Hein. J'en connais qui sont arrivés. Je te dis, ils avaient 60, 70 ans. Et puis, un ou deux ans plus tard, ils en font 50. Je vois déjà les commentaires qui vont fuser. Non, mais c'est vrai. Je joue d'ailleurs au paddle à Kuala Lumpur avec un gars qui avait plus de 60 ans. Il avait dans les 65 ans, un ancien volleyeur professionnel. Et le gars, il jouait niveau professionnel. Et pourtant, en plus, il avait eu une opération des ligaments croisés. Ouais. Donc, viens en Asie. Fais-toi plaisir, profites-en, trouve une femme. Je ne vais pas dire de trouver plein de femmes. Hein. Trouve une femme sympa, gentille, affectueuse.
tu la prends pas, prends pas une femme non plus de 25 ans, elle a quand même 70 ans. Prends une femme de 35, voilà, il y en a qui sont encore jolies comme ça. Parce que de toute façon, quand elle aura 50 ans, très probablement, tu seras plus de ce monde. Tu seras dans ta prochaine incarnation. Je vais venir à ta prochaine incarnation. Alors, après, très important, si Popol fonctionne encore, si le petit oiseau arrive encore à se lever, à ce moment-là, évidemment, c'est clair que tu peux t'éclater avec toutes les femmes que tu veux. Ça sert à rien de finir en étant le plus riche du cimetière. Prends toute ta retraite, tu claques tout. Tous les mois, tu claques tout. Faut finir à zéro tous les mois. Tu prends une bonne assurance santé, puis le reste, c'est budget farniente, budget femme, voilà quoi. Je suis attaqué. Je me suis mis dans un café désaffecté. J'ai un ami, c'est un petit chien, regardez, je vais le mettre. Il n'a pas l'air d'avoir la rage. Je me suis mis là, tranquille, pour avoir un petit peu de... pour avoir un bon son. Mais il y a plein de cafés extraordinaires avec des vues mer fabuleuses. Je continue. Alors ensuite, prépare, n'oublie pas, très important à cet âge-là, va falloir préparer ta prochaine incarnation, donc te réconcilier, t'apaiser avec toutes les choses horribles que tu as fait durant ta vie, donc recontacter toutes les personnes à qui tu as fait du mal, essayer de te réconcilier, sinon tu risques d'être réincarné en porc. Quand tu vas être réincarné dans ta prochaine vie, bah tu peux être réincarné, suivant que tu as fait des choses bien dans ta vie, bah tu vas être réincarné soit en homme, soit en porc, et si jamais tu as vraiment fait des choses horribles, tu risques d'être réincarné en féministe. Donc, fais très attention. Alors pour préparer ta prochaine incarnation, tu vas faire direction le Yoga Barn à Ubud. Donc tu tapes Yoga Barn et tu vas faire les sessions de Yoga Nidra et tu vas aussi dans un autre studio qui s'appelle Radiantly Alive, tu vas faire le Tibetan Bowl Meditation. Okay? Donc là tu vas accéder à tes vies antérieures, et tes prochaines vies. Donc tu vas savoir si tu vas être réincarné en porc ou en féministe. Voilà, donc il va falloir purifier ton karma quand même. Pense-y. Voilà. Alors ça ne sert plus à rien d'optimiser fiscalement. On s'en fout. De toute façon, à cet âge-là, voilà, t'étais que dans du. Profite au maximum. Si tu avais dû faire de l'argent, tu aurais fait avant. Maintenant, voilà, il y a ce qu'il y a. Il va falloir tout dépenser. Enfin, garde un coussin de sécurité, on sait jamais. Hein. Parce que si jamais tu dois faire des opérations et tout, des trucs lourds, fais attention quand même. Prends une assurance santé internationale, ou bien si tu as vécu toute ta vie, tu prends regarde ce que peut proposer la CFE. Voilà, Caisse des Français de l'étranger éventuellement. Mais en général, c'est... Regarde. Parce que ça dépend de tes antécédents. Si tu as eu déjà pas mal de maladies, si en plus tu es diabétique, si en plus tu fumes et qu'il y a l'alcool et qu'il y a machin, c'est sûr qu'une assurance internationale, elle va te coûter un bras. Donc c'est mieux de garder la CFE, voire même, je pensais pas le dire un jour, voire même tu viens t'éclater ici et si jamais tu tombes malade, tu rentres en France. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, je vois les commentaires. Ah, tu vois Marc, en fait, c'est ça, tu vas te faire soigner en France. Non, mais il y a des superbes... Installe-toi près d'un endroit où il y a des bons hôpitaux. Là. Il y a plein d'hôpitaux excellents. En Thaïlande, même à Bali, là, ils construisent. Ils ont presque fini de construire l'hôpital international de Bali près de Sanur. Sanur, c'est ma base. Hein. Si tu me vois à Sanur, c'est pas la peine de venir me voir non plus. Bon, tu passes ton chemin. Je serai sûrement en train de faire une vidéo sur la plage et tout. Donc... Voilà, donc prends une bonne assurance santé, fais une analyse aussi, un bilan avec toi-même, tu fais un bilan patrimonial, tu regardes un petit peu ce que tu possèdes, en plus de ta retraite, comme ça tu vois, et puis tu fais une estimation combien de temps il te reste à vivre, et comme ça tu peux voir ce que tu peux dépenser, et va sur le calculateur rentier que j'ai fait sur le objectif-renta.com, tu tapes calculateur rentier, et ça va te dire combien tu peux dépenser par mois, jusqu'à, et quand est-ce qu'il n'y aura plus rien. Voilà. Après, si t'as vraiment plus rien, mais que t'es déjà très âgé, savoir que quand on est très 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 âgé, si jamais t'as la malchance de vivre très très longtemps en étant malade, parce que ça malheureusement ça arrive, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en général, le cerveau ne suit plus, Alzheimer, tu te souviens plus de rien, donc c'est pas très très grave non plus d'avoir des problèmes si on se souvient plus de rien. Voilà. Donc, écoute, voilà ce que je peux te conseiller.
J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.